Chers amis, l'évangile de Jésus n'est pas toujours agréable à entendre. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul ici à Timothée dans 2 Timothée chapitre 4. Il dit que dans les derniers temps, les hommes auront envie d'entendre des choses agréables, des choses qui font plaisir. Et l'apôtre Paul est en train de prévenir son fils spirituel Timothée et il nous prévient tous. Ne cherchons pas à entendre des choses qui sont forcément agréables. Nous devons chercher à entendre l'évangile pur et saint de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose de simple, mais si nous nous soumettons au Seigneur, le Seigneur saura nous interpeller et nous montrer ce qui est incohérent, défaillant dans notre cœur, pour nous reconstruire, nous restaurer, nous édifier et faire de nous de véritables enfants de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment et que nous ne cherchons plus à entendre que des choses qui sont agréables, mais que nous cherchions simplement à entendre le véritable évangile de notre Seigneur Jésus. Que Dieu nous bénisse.